Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle série où aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va jouer à la deuxième série de jeux que j'aime beaucoup, et auquel je suis encore plus mauvais que les autres auxquels je joue, hein, pour être honnête et réaliste. Donc on va jouer aux jeux de voiture. J'adore les jeux de voiture, je suis très mauvais aux jeux de voiture. Et vous allez vous en rendre compte très vite. On va commencer Need for Speed The Run. J'ai quand même pas mal joué précédemment, mais je me suis dit que bon, pourquoi pas le faire en vidéo et vous faire profiter de la masse de fail qui va se passer. Donc on va lancer en normal. Il y a des très fortes chances que je passe en easy plus loin, hein, parce que je suis vraiment, vraiment nul en fait. Oui, mon jeu va malheureusement, ou heureusement, ça dépend des gens, être en anglais, puisque ma Xbox c'est tout en anglais. Et du coup, tous les jeux auxquels je joue sont en anglais. Donc je ne sais pas ce que ça va faire pour tout le monde, mais j'espère que ça va pas être trop un problème pour tout le monde, justement. Et on va donc y jouer en anglais. Need for Speed The Run. Avec une jolie Carrera 4S. Alors les voitures, je connais quand même un petit peu, même si j'ai tendance. J'ai plus tendance à connaître pas vraiment les différentes voitures, mais plutôt les motorisations et tout ça. J'ai fait quand même pas mal de trucs là-dessus précédemment dans mes études, même si je suis toujours étudiant, avec un W comme dans études. Et là, mon personnage se réveille et sa paupière. Soit il s'est pris un pain parce qu'il est en train de saigner, soit il se maquille de manière dégueulasse, ou il a un œil qui coule. Il a en tout cas ses cils qui sont plutôt tétonnants. Comme des tétons, c'est tétonnant. Hein, il a dû se prendre un coup dans la gueule ou se faire rouler dessus. Un truc comme ça. Je suis dans une voiture et on se la fait à la je sais pas quoi. Ah ouais! Ça fait pas mal de temps que j'y ai pas joué et je me rappelais plus du tout de l'intro. C'est vrai qu'on est en train d'essayer de les assassiner. Oh, c'est joli ça, Alias. Merci la Xbox. Oui, parce que je joue sur Xbox. Hein. Ouh, j'avais plus de souffle là. Voilà, il va se faire compresser la tronche à coup de gros vérin hydraulique, et moi je vais légèrement baisser le son de mon casque puisque je n'entends plus rien du tout. Et j'espère que mon point de synchro était bon. AB. Je déteste les QTE. Je ne supporte pas les Quick Time Events. Bon, faut que je fasse quoi? X. C'est cool, il a de la chance d'avoir un toit ouvrant sur sa voiture. Alors vous m'entendez martyriser ma manette de X-boîte. Et vous allez me voir me planter à peu près tout de suite. Ce que je n'ai absolument aucune idée. Oui, si, je me rappelle un petit peu, mais j'ai les commandes de Driver San Francisco qui me viennent en tête. Donc on va espérer que c'est Left Trigger pour accélérer. Ah ouais! C'est Right Trigger, une Audi RS4. C'est pas mal. Oui, c'est bien une RS, oui, c'est une RS4. Donc c'est quel modèle? Je n'arrive pas à voir les échappements. Voilà, forcément, j'essaie de voir les échappements de ma voiture et je m'éclate. Donc c'est le V8. C'est un 4 litres de V8 qui fait 420 chevaux. Parfait pour que je me tue. Un petit coup de frein pour tourner mieux. Hop.
Il va falloir que je rebaisse le son dans mon casque parce que je n'entends rien et j'ai la tête qui tinte. Je suis en train d'écraser l'accélérateur tout ce que je peux. Wouhou! Mais il me tire dessus en plus! Ah mais ça va quoi mes pneus? Tiens, je te pique manœuvre toi. En tout cas, je sais pas si c'est l'effet Quattro, mais j'ai l'impression que c'est hyper maniable. Voire même très... Ah ouf, mais ça va, calmez-vous. Je sais pas ce que je vous ai fait, mais calmez-vous quoi. Ça suffit là. Ah. Je crois qu'il fallait que je passe avant le train en fait. C'est ça. J'avais dit que j'allais me planter et que ça allait lamentablement foirer. Et je pense que ça vient de bien le montrer. Et forcément, j'étais en train de faire autre chose. Alors, comment je fais le coup de Nitrous? Ok, donc c'est cette touche-là. Pour aller plus vite. Mais dégage ton van, toi! Allez, allez, plus vite. Alors là, il y a l'autre qui vient là. Il y a lui qui est ici. Avoid gunfire. Bah ouais, je veux bien, mais il y a des limites aussi. Hein. Je fais ce que je peux. Ah. 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 Wouhou. Ouh, c'était juste. Je pense qu'il va falloir que je compresse ma voix. Parce que ça doit saturationner un petit peu. Et on a un écran de chargement. Ça m'importe. Alors, j'ai même pas eu le temps de lire. Elle fait du pognon sur lui, d'accord. C'est normal, c'est un boucher chinois chez qui je vais après avoir échappé à la mafia. La mafia, c'est pas plutôt italien d'habitude, la mafia. C'est ok, ils ont la mafia de la sauce soja, pourquoi pas. Sauce soja, soya, les deux doivent se dire. Il a quand même des jolis pixels. Ça dépend de votre orientation ou de votre sexe tout court. Ou des deux. Et j'ai mis les sous-titres. Racing. Ou fucking around. L'un right now. Ou l'autre. Yes. Là, j'aimerais bien qu'il me laisse le choix dans une QTE. A pour oui, B pour non, et là tu réponds B, non, et t'as fini le jeu. J'aime bien les deux villes. J'aime bien les San Francisco et New York. The purse is 25 million. Do the math. After you. Ok, elle me file 250 000 dollars et elle ramasse tout le reste. Ça va, elle est sympa la nana. Pognon. Ah, ça monte. Ah, intéressant. Oh, une ombre complètement aliasée qui prend le truc qui ressemble à du pognon, enfin que je pense être du pognon, peut-être, éventuellement, possiblement, et qui met un iPhone 5. Et la pouf récupère... Non, c'est un iPad mini.
This will keep us in touch. Woohoo! Now we have to get you a car. Ouais, j'ai le droit de choisir. Cars, I got covered. Il devrait se faire un gommage sur le nez, hein. C'est pas super. Vas-y, laisse-moi choisir la caisse que je veux, Zimbacadero. Oui, bien sûr, mon accent était complètement pourrave, mais je m'en tamponne. 4 heures plus tard, à San Francisco. Frisco. Bah oui, forcément, la glace, ça fait un loss of traction. Easy difficulty, ouais. Ah oui, donc je peux reset les checkpoints. De manière limitée. D'accord, c'est bon à savoir, ça. Forcément, je vais me faire niquer. Bip. Oui, ça, c'était le bip qui est venu après ce que je viens de sortir. Bizarrement, je sens que j'aime ramasser la BMW. BMW. Ah, une 240Z. Une Fair Lady. Non, ça, non. Ah, Camaro ZL1. Ah. Ah, la Fair Lady Z. Quand même, la Nissan 240Z. C'est mythique. Je ne peux pas m'empêcher d'utiliser ce genre de voiture pour ça. La 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 la, encore un chargement. Ah, c'est bien la Xbox, mais qu'est-ce que ça charge? Pas quoi, ça, on peut pas. Oui, non, on peut pas rajouter de barrettes de RAM dedans, donc on ne peut pas faire accélérer le chargement de tout ce bazar bordélique. Allez, the race begin. Apparemment, je tune moi-même ma Fair Lady Z. Attends, il a pas mis un capot en fil de carbone là-dessus. Ah non. Elle a changé de couleur de cheveux ou quoi? Allez. C'est parti. C'est parti, une partie anatomique à moi. Ah, une Nissan 240Z. Bon, par contre, je trouve ça obscène qu'il y ait de la nitrous dedans et qu'il y ait un capot en fil de carbone, mais bon. Alors, il faut que je trouve quel est le frein à main. Ok, ça, c'est le frein à main, ça, c'est quoi? Ça, c'est rien. Ça, c'est voir derrière. Ça, c'est changer la vue. Il n'y a pas une vue intérieure, il n'y a pas une vue intérieure. Hop. Non, ça, on va se la faire comme ça. Ok, on peut accélérer un petit peu. Il y a les flics qui sont passés là. Si on se le fait à la drifting et qu'on se mange tous les arrêts de bus et tous les pots de fleurs. Clean pass. Ouais, moi j'étais pas certain que ça soit si clean que ça, mais... Alors pourquoi j'écoute la radio de la police en même temps? Et je pense que j'ai pas fait attention sur la balance des sons, mais au risque d'avoir des problèmes de... Aïe. On risque de... Ah là là, elle est complètement défractée. Je me suis trompé entre frein à main et nitrous. Hop. Ok, donc je peux effectivement utiliser le nitrous pour m'améliorer ça. Ok. Wouhou. Get to Las Vegas. C'est parti. Une jolie Audi TT, 207e. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être une Old American. Je crois que je viens de me tuer. Je suis pas certain, mais je crois que je viens de me tuer. Comme ça, je vais avoir une jolie nouvelle Fair Lady. Allez, va plus vite, là. Ah,
accélération. La même Audi. Ah oui, d'accord, donc ils sont en train de fermer toutes les tous les accès de la ville. Il faut que j'arrête de me prendre les armes déjà. Il faudrait que je conduise un petit peu plus comme quand je conduis dans la vraie vie. C'est-à-dire sur le mauvais côté de la route. Oui, j'ai eu mon permis dans une pochette surprise. En plus, c'est plutôt vrai dans mon cas. Wouhou. Ouais, si, elle est quand même pas mal au niveau du handling, cette Nissan Fairlady. C'est pas mal, mais en même temps, je discute pas tant que ça, parce que je me concentre. Et quand je me concentre à discuter, je me mange des trucs de partout. Genre des voitures de police, des trucs comme ça. Ah, c'est plus l'Audi TT, la 207ème. C'est le truc qui ressemble à une vieille américaine. 4 km en 2 minutes 41. Ça se fait, ça se fait. Hop, plus vite, plus vite. Je suis en train d'écraser tout ce que je peux sur mon accélérateur. Pourtant, je suis à 232 km/h en 4ème. Je sais pas ce que c'est qu'il y a comme moteur et boîte de vitesse dedans, mais je pense que c'est pas d'origine. Hein. Bon, tu dégages le flic, là. Il est en train un peu de m'éclater ma jolie Nissan Fairlady. Elle est jolie, ma voiture. Elle est NFS. On pourrait rajouter un W. Ah là 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 là. Ah, le 207ème est là. Ouch! J'ai essayé le... Je sais pas comment on dit ça en France. Mais j'ai essayé le Thread the Needle. Wouhou! Plouf! Yes! Pas plouf! Ah là là, ma voiture ne ressemble plus à rien du tout. C'est un très bon endroit pour finir cet épisode. Et qu'on se revoit bien très bientôt pour un deuxième épisode. Et moi, en attendant, je vais régler mes options de son. Et on va voir ça très bientôt. À bientôt pour la suite. Salut.